Salut, salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Surtout, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner pour de plus belles vidéos. Merci. Incroyable, mais vrai. La star MHD veut arrêter de la musique. Ça doit faire tellement mal. Non, j'ai toujours le sourire. Hein. Ah bon? Et il nous parle même de la face cachée du succès. Qu'est-ce que ça veut dire? Suivez la vidéo. Il nous l'explique. Je m'en vais dormir avant mon show. Non, il n'y a pas de... Hier, il n'y a pas de tâche. C'est bien moi qui ai fait ce message. Après, voilà, j'ai pas trop voulu rentrer dans les détails. Je pense que certaines personnes ont juste remarqué que ces derniers temps je me suis beaucoup retiré des réseaux. Il y a beaucoup de fois où je supprimais mes photos, où je ne suivais plus personne. C'est moi qui en avais décidé, j'en avais besoin. Et ça n'a rien à voir avec un coup marketing ou pour faire de la home ou je ne sais quoi. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Pourquoi j'ai dit la face cachée du succès et tout ça? Bon, après, il y en a, ils sont allés très pas, ils se sont inventés des. Ils se sont inventés un truc. C'est sûr qu'en étant artiste, après, il y a des. Il y a des avantages. Il y a des avantages tout comme il y a des inconvénients. Voilà, la vie elle est pas. La vie elle est pas rose tous les jours. Certes, t'es dans le confort. Tu manques. Mais voilà, après de côté aussi, tu dois te priver de beaucoup de choses aussi. Voilà. Et c'est je suis parti en couille, excusez-moi. Ouais, j'ai bien quoi. Après, je mets ce genre de snap qu'il faut me voir en mode triste, en mode seul chez moi, en train de... Non, j'ai le sourire, je rigole toujours. Voilà. Je me suis juste exprimé parce que je voulais m'exprimer. Tout voilà. Simplement. Après, si vous avez des questions, je réponds, je suis là. Non, j'ai rien retiré. Hein. J'ai rien retiré. Il y a les dates de concert que j'ai. Je me suis engagé sur une tournée, donc voilà. On est. Je suis toujours sur. Je finis toujours ma tournée. Hein. Il n'y a pas de problème vis-à-vis de ça. Je m'en ai pris et je l'ai. Voilà, c'est des contrats signés, donc je respecte tout ça. C'est pas du jour au lendemain de tout jeter. On a certains engagements qu'on est obligé de respecter. C'est une décision à laquelle tu as bien réfléchi. Après, on est toujours en réflexion. T'as beau dire ce que tu veux, t'es toujours. Tu vois. Mais de toute façon, mon entourage sait très bien que c'est. J'avais déjà pensé à ça depuis bien longtemps. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. Comment je vais? Bah, je vais très très bien. Je vais très très bien. Je vais aller me taper un poulet à loco là. Ouais, je vais très très bien. Là, je suis juste un peu énervé parce qu'il y a les bouchons. Mais à part ça, tout va bien. Ma preuve, je fais des lives. Depuis je garde le sourire. Depuis je garde le sourire.
Depuis je garde le sourire. Tout ce monde qui s'est déplacé pour moi. Oui je l'ai voulu mais chaque fois je me demande pourquoi. Ma scène est un cirque, j'en ai fait ma maison. Où tout le monde fait comme chez soi car tout le monde connaît mes sons.